Bonsoir à tous, comment vous appelez-vous? Bonsoir. Bonjour. Salut, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, et toi, ça va alors? Comment tu t'appelles? Julie, j'adore Julie, je suis sorti avec une Julie il y a très longtemps. Bon, ma chérie, tu vas jouer pour un premier cadeau. C'est toi qui vas choisir le chroniqueur avec qui tu veux jouer pour le premier défi. Vas-y, tu choisis entre tous les chroniqueurs. Alors, j'irai Julien Courbet. Ah, mais... Le pauvre Julien. Tu vas jouer avec Julien Courbet, tu vas jouer pour un barbecue. C'est bientôt l'été. Non, sérieux. Si, c'est comme bien, par c'est hasard. Bien. C'est bien, comme ouais. Par hasard. Mon chéri, mon Juju, tu vas avoir une minute, pas plus, pour aller. Pour toi, ça va être très simple. Franchement, c'est plus trop simple. Tu vas avoir une minute pour trouver une personne et danser avec elle sur un poteau, mais de façon très sexy. Ah oui. Sur un poteau dans la rue, là, d'accord. Ouais. Okay. Ok. Un c'est poteau, parti. Un poteau, mon ami. Un barbecue. Allez, Juju. Attention, tu veux jouer avec qui maintenant? Boudère. Ouais, ah. Alors, oh. Qu'est-ce que je dois faire moi? Alors, c'est très simple. Évite le deuxième poteau si jamais. Bravo Juju, qu'on peut appeler. Bravo. Tu vas devoir. Et tu vas pas là à côté prendre des gens. C'est très simple. Tu vas avoir une minute pour trouver une personne en voiture, aller lui offrir des fleurs et demander un petit bisou en retour. Enfin, c'est quoi la limitation? Tu vas jouer pour un casque de réalité virtuelle, d'accord? J'ai pas de fleurs. Les fleurs sont là. Attends, voilà. Et donc j'arrête une voiture n'importe laquelle? Attention, t'as une minute. Une femme ou un homme, comme tu veux. Un bisou, c'est le bisou. Ici. Boudère, c'est pas un carjacking. Mais non, toi. Avec ta veste. Arrête, Boudère, regarde, franchement. Regarde son petit chapeau. Il parle mal, Boudère. Mais il a volé la veste de Philippe Risoli. Je sais pas qui l'a volé l'humour, mais j'ai pas envie de le trouver. Allez, c'est parti, on y va, Boudère. Attends, il faut que je fasse une meuf. Alors, il n'y a pas de voiture. Attends, il faut une voiture. Vas-y, tu peux te déplacer. Ah, bonjour, madame. Ah, il y a une voiture qui arrive. Ah ouais. Ah, c'est un cousin en plus. C'est un cousin. C'est pour t'offrir des fleurs. On le voit pas, on le voit pas. Hein? Mais si, il est là, regarde, on va pas t'offrir des fleurs. Ouvre, n'aie pas peur, t'inquiète pas, t'es à la télé là. Fais-le sortir. Voilà, il faut que tu sois. Pique-lui sa caisse. Quelle origine. Voilà, il est là. Bravo. J'ai trouvé un cousin. Le bisou. Ouais, c'est fait, le bisou. J'ai fait gagner un cousin. Bravo, Boudère, c'est gagné. J'adore ce jeu. Julie, tu as donc gagné un casque de réalité virtuelle. Avec qui tu veux jouer maintenant? Valérie. Alors, je vais dire. Je vais donner le défi à Valérie. Valérie, c'est très simple. Ouais. Vous allez devoir partir. Ouais. Et vous allez avoir exactement un mois pour trouver une autre chaîne. Si vous trouvez, tu gagneras, ma chérie. Non, Valérie, médaille. Valérie, fais attention, t'as toujours mal au dos, ma chérie. Ouais. Donc tranquille, d'accord. Tranquille. Vas-y. Tranquille. Alors Valérie, tu vas avoir une minute. On va jouer pour une machine à café. D'accord. Il y a une machine à café. Okay. Tu vas avoir une minute pour aller faire une déclaration d'amour à un inconnu. D'accord, je lui dis je vous aime, je vous aime. Non, tu sais faire des déclarations d'amour. D'accord. Okay. Mais là, il parle de boulettes, de tagine. Non, mais... Si, avec tagine, ça rime avec je sais pas quoi, tu vois. Ah d'accord, ok, très bien. D'accord, okay. Attention. Allez. S'il est sous le charme, faut qu'il dise oui, je suis sous le charme. D'accord. Faut qu'il dise ça. Oui, je suis sous le charme. Pour pas. Voilà, tu fais gagner une machine à café à Julie. C'est parti, on y va, vas-y mon cœur. Allez, madame, fais attention quand même, cours pas trop. Cours pas trop, ça va. Il faut quelqu'un. Pour pas trop. Donc je suis sous le charme. Attention, on va pas être écrasé. Attention, Benaïm.
Bonjour. Mais non, pas devant, non. Qui tu veux? Non, ah, là-bas, non, là-bas, lui, là-bas, on le connaît. Non, non, on le connaît, mais on le connaît pas, le monsieur, là. Attention, fais attention. Tu me fais peur sur la route, comme ça. Non, mais voilà, là, regarde, là. Bonjour, monsieur. Benaïm. Bonjour. Moi, je connais ta sœur. Je voulais simplement... T'es pas venu à mon anniversaire. Je vous ai vu régulièrement. C'est fils de Cyril, on le voit pas. C'est fils de Cyril, le studio. Mais il est beau gosse. Et en fait, à chaque fois que je le voyais, je me disais que bah, vous aviez vraiment la tête du autant de charme que, mais il est beau gosse. Que le plus beau des couscous. Et vraiment, vous étiez, mais voilà, une petite boulette. Et je voulais savoir si, à votre tour, vous étiez un peu sous le charme de cette déclaration. Est-ce que vous êtes sous le charme? Au niveau de la déclaration, un petit peu moyen. Ouais. Oh oui, Repose-lui un slow. Repose-lui un slow. Toujours plus sérieux. C'est vrai. Est-ce que je peux rattraper la métaphore avec un slow? Un slow? Ouais, un petit slow. Allez. Ouais. Jonathan, il s'appelle Jonathan, il est pas mal du tout. Hein. Merci beaucoup. Bien kiffé. Mais attends, reviens pas. Dis-moi, Benaïm, elle va pécho dans l'émission maintenant. Ah ouais. C'est génial. C'est génial. Mais non, Benaïm, beau gosse, hein. Beau gosse. Il y a du métier, là, monsieur. C'est pas un peu ton délire. Il est pas mal. Il va avoir quel âge, 45? Ouais, pas mal. 40, non. Il est mieux pas toi, Jean. Il est dans le panel, hein. Ah ouais, dans le panel, hein. Il est dans le panel. Elle est amoureuse. Tout va bien. Je t'ai senti, il était très sympathique. Très sympa. Mais j'adore. Allez, ma chérie, t'as senti que Benaïm l'avait kiffé ou pas, Juju? Moi, j'ai un petit peu senti le béguin quand même. Le béguin, ouais. T'habites béguin. Où d'ailleurs, Julie? Le béguin. À Cannes. À Cannes? Parce qu'on dit plus béguin. Mais j'y suis tout le temps. On est en 2018, on dit plus béguin. Bon, c'est pas grave, t'en as rien à foutre. Alors là, attention, avec qui tu veux jouer maintenant? Maxime. Ah, Maxime Guély. Maxime Guély. Maxime Guély. J'ai échappé. T'es sûr que tu veux Maxime Guély? Changez encore. Un bowling. T'es sûr que tu veux Maxime Guély? Oui, allez. Me fais confiance. Allez, Maxime. Alors, Maxime Guély, c'est très simple. Vous allez avoir. Vous allez jouer avec Maxime Guély pour une console de jeu portable. Oula. Oh, ah ouais. C'est pas mal. Tu vas avoir une minute pour trouver une personne, lui demander son prénom, et le crier de plaisir comme si vous faisiez l'amour avec lui ou elle. Ah ouais. D'accord, si. D'accord, vous voulez faire tu un test faire, tu peux le faire, mec. Alors, allez-y, direct. Allez, c'est parti. Allez, vite. Hey, quelqu'un qu'on connaît pas. Bonjour. Madame. Madame. Bonjour, madame. Ah ouais, bah attends. Puis-je vous demander votre prénom? Là, ici. Cécile. Hein? Monsieur. Marie-Cécile. 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 Oh, mi amor. Mon cara mia, Marie-Cécile. Cécile, je t'aime d'encore. D'amour. D'amour. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on t'a demandé. C'est comme vous, bébé. Quelle madame, ce qu'il a qui sera avec nous dans un instant. C'est ça. Vas-y. Mais qu'est-ce que je dois faire? Refais. Je dois faire quoi? Mais comme si tu faisais l'amour. C'est comme si tu. Mais il connaît pas ça. Il y a Agathe qui va te guider. Vas-y. Marie. Maxime, calme-toi. Agathe, vas-y. Maxime, tu m'écoutes? Vas-y. Simule un orgasme. Vas-y, fais-le, toi. Avec Marie-Cécile? Ouais. Oh, Marie-Cécile! C'est comme ça. Il n'y a aucun des deux qui a jamais joui, c'est chaud. Non, alors, c'est bon, on a compris. Fais-le. Ah, Marie-Cécile. Ah, c'est bien. Benaïm. Oh, Marie-Cécile. Non, Benaïm, non, moi, je suis là. Aïe, 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 Marie-Cécile. Maman. Alors, non, mais refaites-le vous, parce que je trouve que... De quoi? Vous avez mal fait. Il y a du programme. Ah ouais? Ouais, franchement. Vileux, quoi. Bah, vileux. Ouais, okay. J'ai mis mal. De l'intérieur. Marie-Cécile. C'est mieux. Ça commence à être mieux. Maxime, si tu peux faire la même chose. Oh. Marie-Cécile. Hein. Non, t'as pas demandé de chanter, espèce de quoi. Marie-Cécile. Marie-Cécile. T'es comme une pile. On connaît pas l'orgasme. Maxime, oui. Maxime, tu restes dehors. Pour l'instant, ça n'est pas gagné. Tant que c'est pas satisfaisant. Mais peut-être que c'est comme tu ça. Tu restes dehors, mais tu referas des orgasmes jusqu'à la fin de l'émission. Bah oui.